Agaricus Augustus. Psalliote Auguste, Agaric Auguste. Vénéneux. Cette grande espèce est remarquable, un peu à allure de foliote, parfois assez commune, en pieds isolés ou en touffe, dans les bois de résineux ou de feuillus, dans les parcs, sous essences diverses. C'est une énorme espèce. Le chapeau est large de 10 à 25 cm sur un pied robuste et épais de 10 à 25 cm. Le pied et le chapeau sont ornés identiquement de mèches écailleuses, brun orangé à roues, plus denses sur le chapeau, espacées sur le pied, floconneux, anneaux larges, pendants. Les lames sont d'abord presque blanches, puis rose sale et enfin brun noirâtre. La chair est blanche, devient à la cassure de teintes complexes, jaunissant ou rossissant à la base du pied, pour passer au brun roux, l'odeur est agréable. Cette espèce a longtemps été réputée comme un très bon comestible, mais récemment, on a découvert dans ce champignon des substances cancérigènes et donc est considérée comme toxique, à rejeter.